Alors bonjour, bienvenue à cette séance de béton armé dans laquelle on va continuer le calcul d'une poutre continue avec la méthode de Kako. Aussi, on va voir la différence entre Kako et Kako minoré dans un exemple de calcul. Et je vais continuer dénoncer la méthode de Kako. On a vu comment calculer les moments sur les appuis. Alors, si je prends ici une poutre continue avec un chargement que je vais supposer pour le besoin de ce cours, uniformément réparti sur chacune de ces travées, on a déterminé comment calculer les moments sur les appuis. Donc, on a trouvé que le moment sur les appuis de rive est égal à 0. Et le moment sur les appuis intermédiaires, on utilise la formule adaptée pour le calcul du béton armé, qui est celle-là. Donc, moins le chargement ouest, L' ouest au cube, plus le chargement est fois L' est piste cube, sur 8,5 L' ouest plus L' est. Sachant que L', c'est la travée fictive. La travée fictive, pour rappeler, c'est quoi? Si la travée elle est de rive, la travée fictive elle est égale à la travée réelle. Par contre, si la travée est intermédiaire, la travée de fictive, et c'est 0,8 fois la longueur de la travée réelle. Ensuite, après avoir calculé les moments sur les appuis, on va déterminer le moment dans les travées. Les moments dans les travées, on va utiliser aussi une méthode adaptée au calcul de béton armé, c'est celle-là. Donc, le moment de X, c'est le moment de référence, plus M ouest 1 moins X sur L, plus M est East, fois X sur L. Et on a retrouvé dans notre poutre, l'exemple qu'on a fait, tous les moments entravés et sur les appuis. Ce qu'on va faire maintenant, c'est premièrement, avant de déterminer les efforts tranchants dans cette poutre, je vais expliquer une notion assez importante dans le calcul des poutres continues, c'est de faire la combinaison la plus défavorable qui va me permettre de trouver les moments maximum. Alors, si je fais comme le calcul fait la dernière fois, je vais retrouver des valeurs sur les moments, valeurs des moments sur les appuis et dans les travées. Donc, par exemple, dans cette travée, c'est 1017 dK/N. Sur l'appui ici, c'est moins 3485, etc. Mais ce n'est pas la combinaison de charges qui va me donner les valeurs maximales. Peut-être ça va me donner les valeurs maximales sur les appuis. Mais dans les travées, ce n'est pas le cas. Alors j'explique. Le chargement qu'on a fait, donc ici juste une remarque concernant le calcul avec les différents cas de chargement. Remarque. Alors, le calcul qu'on a fait la dernière fois, je reprends la poutre avec les trois travées. Ce qu'on a fait, c'est on a supposé que cette travée, par exemple, elle est chargée. Elle est chargée par quoi? Une charge permanente, J1, pour la travée 1, et une charge variable, Q1. Ensuite, pour la deuxième travée, la même chose. On a supposé qu'il y a ici deux chargements, G1, plutôt G2 et Q2. Pareil pour la troisième travée, on a supposé qu'il y a G3 et Q3. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça. Pourquoi? C'est vrai que la charge permanente, c'est une charge qui ne varie pas au cours du temps.
Mais le problème, c'est la charge variable dans chaque travée. Par définition, une charge variable, c'est une charge qui varie au cours du temps. Parfois, elle existe et parfois, elle n'existe pas. Si je prends l'exemple d'une salle de classe dans un lycée, dans un institut, dans une école, par exemple, le chargement permanent, la majorité, ça existe pendant la journée, mais pendant la nuit, il n'y a pas de cours, cette charge variable n'est pas là, ou bien la charge d'exploitation n'existe pas. Donc, les combinaisons qu'on peut avoir, c'est soit la charge variable, elle est ajoutée à la charge de la poutre, ou bien elle n'existe pas. Et on va voir que si j'enlève cette charge variable, ça va influencer directement sur les valeurs du moment dans les travées. Par exemple, cette travée, elle est supposée chargée avec une charge permanente, une charge variable. Celle-ci aussi une charge permanente, charge variable. Mais il existe un autre cas où cette travée, elle est chargée uniquement par une charge permanente et la charge variable n'existe pas. Et on va voir que cette combinaison va permettre de me calculer une charge importante ou bien plus importante dans cette travée. Donc, ici, je vais appeler ceci, c'est le premier cas de chargement dans lequel toutes les travées sont chargées. Qu'est-ce que ça veut dire chargé? C'est-à-dire, on va ajouter une charge variable. Alors, juste une notation, je vais supposer que ici c'est chargé. Donc, c'est. C et C. Alors, c'est quoi? C, chargé. La travée, elle est chargée. C'est-à-dire, il y a une charge permanente plus une charge variable. Alors, en fonction de l'état limite, soit c'est G plus Q, ou bien c'est 1,35G plus 1,5Q si nous sommes à l'état limite ultime. Le deuxième cas que je peux trouver pour cette poutre, par exemple, on reprend la même poutre. Mais par contre, je vais supposer que cette travée, alors je vais laisser le même chargement, mais je vais changer cette deuxième travée. Je vais seulement supposer qu'il y a uniquement une charge permanente. Uniquement une charge permanente, c'est-à-dire cette poutre, elle est déchargée de sa charge variable. Alors c'est pour cela que je vais noter cette poutre D. Ici, elle est chargée C et D. C'est une travée qui est déchargée. C'est-à-dire il y a uniquement de la charge permanente. Et pas de charge variable. Alors, cette combinaison, ou bien ce deuxième cas, pardon. Je suppose que la troisième travée aussi, elle est chargée. Donc, au final, cette combinaison, ou bien deuxième cas de chargement, c'est CDC. C D, C. Et ce premier cas, c'est les trois travées sont chargées. C, C, C. Un troisième cas, et le dernier, parce que c'est voilà. Alors, pratiquement, on fait trois cas. Le premier cas, c'est toutes les travées sont chargées. Le deuxième cas, une charge, on charge une travée, décharge la suivante, charge qui est d'après, et ainsi de suite. Donc chargé, déchargé, chargé. Le troisième cas, on inverse. La première travée, elle était chargée, elle devient déchargée. La deuxième travée, elle était déchargée, elle devient chargée, et ainsi de suite. Donc ça devient DCD. Déchargé, chargé,
déchargé. Alors, si on a d'autres travées, donc on continue ces combinaisons. Donc ici, lorsque je dis que cette poutre elle est déchargée, je mets seulement une charge permanente et pas de charge variable. Ici, elle reprend tout son chargement, la travée, donc c'est G2 et Q2. Et finalement, cette travée, elle est déchargée, donc il y a seulement une charge permanente et pas de charge variable. Alors, si je fais le calcul pour chaque cas, je vais retrouver en principe, donc si j'ai trois travées, donc un moment en travée 1, moment sur appui 2, moment sur la travée 2, 3, moment ici 4 et ici 5. Donc 5 moments pour chaque cas. Je calcule de nouveau pour cette combinaison, je trouve encore 5 moments. Et je calcule pour le troisième cas, je trouve aussi 5 moments. Donc je fais le calcul de la poutre 3 fois. Et si je fais la comparaison des différentes valeurs des moments, la remarque que je vais trouver, c'est que le premier cas, il va me donner ici une valeur. Ici, une autre valeur. On a fait le calcul, par exemple, à l'état limite service. On a trouvé moins 3485 et moins 4141 pour ce cas. Si je fais dans le deuxième cas, je vais retrouver aussi deux valeurs, mais par expérience, ici, ce sont deux valeurs qui sont inférieures à celle-ci. Idem pour cette combinaison. Je vais retrouver deux valeurs qui seront inférieures à celle-ci. Donc le premier cas, il va me permettre de calculer les moments maximum sur les appuis. Lorsque toutes les travées sont chargées, je vais retrouver les valeurs maximales là et là, sur ces deux appuis. Les autres combinaisons ne vont pas me donner les valeurs maximales. Par exemple, si je fais le calcul avec toutes les travées chargées, je vais trouver moins 3485. C'est moins 3485. Si je fais le calcul pour ce cas de chargement, qu'est-ce que je vais trouver? Alors, c'est un calcul n'est pas très difficile à faire. Donc, on a dit que le moment sur un appui, en l'occurrence ici, c'est notre appui numéro 2. Alors, si je parle ici d'appui 1, l'appui 2, l'appui 3 et l'appui 4, le moment sur l'appui 2, donc c'est moins, alors toujours P ouest, L prime ouest au cube, plus P est fois L prime est au cube, sur 8,5 L prime ouest plus L prime east. Nous sommes dans cette travée, donc tout ce qui est ouest, c'est par rapport à la travée 1. Et ici, east, c'est la travée 2. Ou bien on travaille ici, donc voilà. Nous sommes en train de calculer le moment sur cet appui. Alors, tout d'abord, je dois déterminer c'est quoi P ouest et P est. Donc, P ouest, pour nous, c'est la travée 1. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la travée 1 dans ce cas? Il y a G1 plus Q1, tout simplement. Par contre, ici, c'est la différence avec le premier cas. Nous avons ici P east, donc à droite, on a seulement G2. Il n'y a pas dans cette travée un chargement variable. On peut l'enlever car déjà c'est un chargement variable, donc ça peut ne pas exister. Alors, ici ça va donner, on a trouvé que c'est 1000. Alors bien sûr, ici je travaille à l'état limite service. C'est pour cela que je fais G1 plus Q1 seulement et pas de pondération. Donc c'est 1000
1200 plus 400. Donc, 1200 plus 400. Donc, P ouest, c'est 1600 décanewton par mètre linéaire. Et P east, on a seulement une charge permanente, donc c'est 1200 décanewton par mètre linéaire. Pardon, donc je monte ici un peu. Voilà. Et on a calculé L prime ouest, donc c'est tout simplement L1, donc à gauche, et L prime east. C'est 0,8 fois L2. Alors pourquoi 0,8? Parce que 2, c'est une travée intermédiaire. Et c'est 5 fois 0,8. C'est 0,8 fois 5, 4 mètres. Et L1, c'est 3,5 en entier. Voilà. 3,5 et le prime est. C'est 4 mètres. Donc ici, je travaille seulement pour l'appui 2. Ensuite, ça va changer le moment sur l'appui 2. Dans le deuxième cas, c'est moins. Alors, P ouest, c'est 1200 fois L prime, c'est 3,5 cubes. Plus. Alors, c'est. Ah, non, ce n'est pas 1200, excusez-moi. Ouest, c'est 1600. Donc, East c'est 1200 fois 4 au cube, 8,5, 3,5 plus 4. Alors, ça fait combien ça? Moins 2280. Bien 81. Décanewton mètre. Voilà, donc le deuxième cas, on a trouvé moins 2281. Si je continue le calcul avec tous les moments sur les appuis dans les autres cas, je vais trouver toujours que le premier cas, il va me donner la valeur maximum. Donc on voit très bien qu'ici, au premier cas, on a trouvé moins 3485, ici moins 2281. Donc le moment le plus important, ou bien le plus grand, en valeur absolue, c'est toujours dans le premier cas. Donc ici, le premier cas, il va me donner les valeurs maximales sur les appuis. Donc bien sûr, ici, c'est 0, mais pour l'appui 2 et 3, c'est le premier cas qui va me donner la valeur maximale ici. Ensuite, le deuxième cas et le troisième cas, il va me donner les valeurs maximales lorsque la travée elle est chargée. Donc, si je fais le calcul dans la travée 1, le premier cas, il va donner 1017. La première ici, c'est 1017. Mais si je vais faire le calcul dans cette combinaison, ici elle est travée, la travée elle est chargée, ici elle est déchargée. Normalement, je dois retrouver dans ce deuxième cas une valeur supérieure à 1017. Alors le calcul il est identique. Donc, si je fais, nous sommes toujours dans le deuxième cas et la travée 1. Alors, pour retrouver le moment dans la travée 1, on a dit il faut isoler la travée 1 tout seul. Et on va mettre les moments qui se trouvent sur les appuis, ici 0. Et dans l'appui, ou bien sur l'appui, c'est moins 2281, moins
2281. Voilà, donc au moment il est négatif ici. Si je calcule le moment entravé, je vais retrouver une valeur normalement doit être supérieure à 1017. Pourquoi? Parce que l'entravée ici elle est chargée et ici elle est déchargée. Alors je vais faire rapidement ce calcul. Alors pour cela, j'ai besoin de décrire l'équation du moment. Donc le moment en tout x, c'est le moment isostatique de référence plus m ouest a moins x sur l plus m est x sur l. Nous sommes dans la travée 1, donc tout ce qui est ouest c'est à gauche, donc ici c'est 0, car le moment il est nul. Et le moment ici c'est moins 2281, l c'est 3,5. Et l'équation du moment isostatique, c'est moins P1, ou bien P, oui, P1, fois x au carré sur 2, plus P1 fois L1 sur 2, fois x. C'est l'équation, si la travée, elle est uniformément chargée et isostatique. Alors, qu'est-ce que ça va donner ce calcul? Donc, en tout x, j'ai P1, c'est 1000 P1, donc c'est le chargement dans la travée 1. Le chargement dans la travée 1, c'est G1 plus Q1, qui est égal à 1200 plus 400, c'est 1600. Donc, c'est moins 1600 sur 2x au carré plus 1600 fois 3,5 sur 2 fois x. Ça, c'est 1000x. Et ensuite, plus mist, plus mist. Mist est négatif, donc c'est moins 2281 fois x sur, combien j'écris ici, c'est 3,5. Et j'enlève. Voilà, x. Donc ça, c'est l'équation du moment en tout x. Donc on a besoin de mettre tout ici. Donc c'est moins 800 x au carré. Voilà. Alors, on va mettre x en facteur. Donc, c'est en passif positif. Voilà. X. Alors, c'est quoi ça? Alors, je prends la calculatrice et je fais le calcul. Alors, la calculatrice est là. Hop. Donc, c'est 1600 fois 3,5 sur 2. Donc c'est 2800 moins 2281 sur 3,5. Donc c'est 2000. 2148. Alors, s'il vous plaît, vérifiez avec moi les calculs. 2148. Voilà. Alors, x égale. Donc, où est-ce qu'on va trouver le moment maximal? C'est lorsque la dérivée de cette équation est égale à 0. Donc x égale à combien? Donc il faut dériver ceci. Donc ça devient mille six cents moins 1600 x plus 2148 égale 0. Donc x égale
2148 sur 1600. Et normalement, je dois trouver x dans cette travée dans la première moitié. Donc, ça doit être inférieur à 1,75. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? 2148 sur 1600. 1,34 mètres. Donc, ça, c'est l'abscisse ou le moment maximal. Je remplace x dans cette formule. M de 1,34, c'est moins 800 fois 1,34 au carré, plus 2148 fois 1,34. Ça donne combien? Donc on voit très bien que cette valeur est supérieure à celle-ci. Si je continue le calcul dans le troisième cas, je devrais retrouver une valeur inférieure à ces deux-là. Pourquoi? Parce que cette travée, elle est déchargée. Donc voilà comment on fait les combinaisons des différents cas de chargement pour retrouver les valeurs maximales dans les moments. Donc une règle, c'est la première, ou bien c'est par expérience et par les différents calculs on fait. Le premier cas où toutes les travées sont chargées va me donner les moments maximum sur les appuis. Et ensuite, pour les deux autres cas, ou bien les autres cas, lorsque une travée elle est chargée, on va trouver le moment maximal dans cette travée. Donc par exemple ici, va trouver une valeur inférieure à 3690. Par contre, dans la travée 3, ici, on va retrouver une valeur supérieure à 2197. Donc ça, c'est les combinaisons de chargement dans une travée. Et maintenant, une fois c'est fait, je reprends le calcul des efforts tranchants. Alors, comment on calcule l'effort tranchant dans une poutre continue? En utilisant la méthode de calcul des poutres continues de Kako. Alors pour cela, je vais reprendre ici. Effort tranchant. Voilà. Donc, les efforts tranchants sont calculés en tenant compte des moments sur les appuis. En tenant compte des moments sur les appuis. Or, l'effort tranchant en fonction de x, c'est moins la dérivée du moment par rapport à x. Alors, si on fait la dérivée de cette équation qu'on a trouvée. Ou bien la dérivée de cette équation, on trouve que v de x c'est moins la dérivée du moment isostatique par rapport à x plus le moment ouest moins le moment east sur la longueur i. Alors juste un rappel, ça c'est ce qu'on vient de voir pour les combinaisons de charges. Donc si on a une poutre à trois travées, donc on fait trois, généralement trois combinaisons, chargé, chargé, chargé. Décharger, charger, décharger, charger, décharger, charger. Alors, pour la poutre, ou bien l'effort tranchant, pour un appui ici, donné, I, qu'est-ce qu'on fait? Pour cet appui, on charge les deux travées qui sont à côté d'elle, à côté de cet appui. Donc, L ouest, c'est à gauche. L east, c'est à droite. Et on décharge les autres. Bien sûr, le calcul de l'effort tranchant se fait seulement à l'état limite ultime.
Alors pour cela, qu'on va faire avec les combinaisons 1,35G et 1,5U. Donc un appui en charge à gauche, donc 1,35G plus 1,5U. En charge à droite, 1,35G plus 1,5U. On décharge les autres travées et on détermine les valeurs du moment sur l'appui qui précède, le moment sur cet appui et le moment sur l'appui qui précède, qui est le suivant plutôt. Et bien sûr, on utilise maintenant les travées réelles et non pas les travées fictives. Et bien sûr, on a aussi les valeurs, normalement qu'on va voir après, des efforts tranchants dans les travées de référence, les zéros. Donc, il faut calculer tout ça de nouveau pour retrouver les valeurs des efforts tranchants à gauche et à droite de chaque appui. Donc, voilà les équations. Donc, à gauche, V ouest I, c'est V0 ouest plus MI moins MI moins 1. Alors, c'est quoi MI et MI moins 1? MI, c'est le moment sur l'appui, en considérant que les deux travées sont chargées. Et MI moins 1, cet appui, c'est en considérant que sa travée, elle est chargée et sa travée, elle est déchargée. Normalement, si on fait toutes les combinaisons, on devrait trouver ça. On devrait trouver le calcul, qu'est-ce qu'il va donner pour ce moment. Ensuite, le moment qui est à droite de l'appui, donc c'est V0E, Est, East. Donc l'effort tranchant qu'on va calculer pour une travée de référence avec le même chargement. Autrement dit, c'est quoi V0? C'est tout simplement P. Donc le chargement sur cette travée fois L sur 2. Ça, le chargement, ou bien c'est l'effort tranchant isostatique. Plus le moment dans l'appui I plus 1. Comment on calcule ce moment? C'est en déchargeant à gauche, plutôt à droite, et en chargeant à gauche, moins le moment sur l'appui MI sur cette distance. Avec V0 ouest et V0 east, ce sont les efforts tranchants sur l'appui GI des travées de référence. Et ensuite, MI moins 1, MI et MI plus 1 sont les moments sur les appuis avec leurs signes. Donc, on va reprendre les signes ou bien de chaque appui, de chaque moment sur les appuis. Je vais reprendre ce schéma dans notre cours en direct de cette formule. Pour l'effort tranchant, donc on va prendre l'appui 1. On va prendre l'appui 1. Comment le calculer? Alors on a dit, on met notre appui comme ça. Voilà l'appui 1. Et donc maintenant, l'appui 1, c'est ici. Voilà. Et on va charger ou bien mettre les travées qui sont à gauche et à droite. Ici 2. Ici, on n'a pas de travée, donc on ne met rien. Et ensuite, on ajoute. On a besoin aussi de cet appui. Normalement, on devrait mettre les travées qui sont à gauche, mais ça n'existe pas parce que notre appui, il est appui de rive. C'est un appui de rive. Et qu'est-ce qu'on va faire pour les chargements? Juste. Pour notre appui, on va charger à droite et à gauche. À gauche, je n'ai rien, donc je fais seulement le chargement ici. Donc, c'est 1,35 G1 plus 1,5 Q1. Et ensuite, je décharge les autres. Donc, ici, 1,35
G2 seulement. Alors bien sûr, l'échelle n'est pas respectée, mais généralement, on dessine avec une bonne échelle. Ici, j'ai 3 ou 5 mètres. Ici, 5 mètres. Qu'est-ce que j'aurais besoin aussi pour le calcul? Je répète, je cherche seulement pour cet appui. Donc, pour cet appui, le moment qui se trouve ici, c'est nul. On n'a pas l'effort tranchant à gauche, on n'a pas d'effort tranchant. Mais par contre, ce que je cherche, c'est V east de notre appui. Plutôt, excusez-moi, c'est V east de l'appui 1. V east de l'appui 1. Par contre, V ouest de l'appui 1, on n'a pas. Donc j'ai besoin ici de V0, VE1. Pour le calculer, j'ai besoin de l'effort tranchant de référence. Ensuite, de ce moment-là, l'appui 2. Et j'ai aussi besoin du moment sur cet appui. MI qui est M de l'appui 1. Or, cet appui, c'est un appui de rive, donc le moment est égal à 0. Donc, j'aurais besoin de calculer ce moment-là. Alors, comment on calcule ce moment? Ici, c'est la même équation, moins P ouest. Donc, ici, c'est M1, 2. Donc, P ouest, c'est tout ça. Ça, c'est ouest. Donc, je dois calculer donc 1,35 G1 plus 1,5 Q1. P est, c'est celui-là. Donc, c'est moins 1,35 fois 1200, je pense. Le chargement, oui. G1, c'est 1200. Et Q1, c'est 400. Alors je préfère l'écrire ici parce que ça va prendre de la place. Donc le moment sur l'appui 2, c'est moins. P ouest, c'est 1,35 fois 1200 plus 1,5 fois 400 fois 3,5 cubes plus ici seulement la charge permanente. Donc 1,35 la charge permanente sur la travée 2, pour notre exemple, elle est égale à 1800 dk par mètre linéaire. Donc fois 1800 fois 4 au cube, L prime, sur 8,5. L prime 1, c'est 3,5, plus L prime 2, elle est 4 mètres. C'est 0,8 fois 5. Ici, le moment, qu'est-ce qu'il va donner? 932. Voilà. Donc ça, c'est le moment sur l'appui 2. Je calcule aussi V0. V0, donc nous sommes ici. V0 East. Donc c'est P1 fois L1 sur 2. Notre travée isostatique, parce qu'elle est isostatique, sur laquelle on a un chargement. L'effort tranchant maximal ou bien de référence, cette valeur, c'est P, le chargement, fois L, la longueur de la travée sur 2. Alors ici, ça va donner
P1, c'est le chargement sur cette travée. Donc c'est 1,35 fois 1200 plus 1,5 fois 400 le tout fois 3,5. C'est 1,35 fois 1200 plus. D'accord. On élève, c'est bien. Décanute. Décanute. C'est un effort tranchant. Pour calculer VE1, je remplace ici toutes. Je vais l'écrire ici. Ça va me permettre de gagner un peu d'espace. Voilà. Voilà. Alors, l'effort tranchant à droite de l'appui 1 est égal à quoi maintenant? Est égal à VE1. V0, on l'a déjà calculé, c'est 8885. 8885 qu'est-ce que ça va hop plus MI plus ah tout à fait trois mille huit cent quatre-vingt-cinq quelqu'un ben plus alors MI plus 1, c'est ce moment-là. Il faut le prendre avec son signe, c'est moins 3932. Moins 3932. Le moment ici, c'est nul, on fait 0. Et ici, sur... Sur quoi? Sur 3,5. Voilà. Donc ça donne combien ici? Ça donne 3885 alors juste pour c'est bon. Moins. Ou bien directement la valeur. Voilà. Donc ceci est l'effort tranchant à droite de l'appui. Et on travaille seulement pour l'appui 1. Lorsque je vais calculer l'appui 2, ce que je vais faire, on commence toujours par mettre notre appui à calculer tout seul. J'ajoute les deux travées à gauche et à droite. Chargé, donc ici un 35 G1 plus 1,5 Q1. Rien kiff kiff tout chargé, donc c'est un 35 G2 plus 1,5 Q2 et les autres sont déchargés. Donc ici, les émissions déchargées. Donc champ matin déchargé, pas seulement 1,5 G3. Donc, on va chercher cet appui-là, c'est-à-dire on va retrouver V2 qui se trouve à gauche ouest. Et V2 East, East, Ouest. Pour cela, j'aurai besoin aussi du moment de l'appui 2. H, c'est le moment
à l'appui arrière, appui 1, là où est-ce que après, ça reste un moment, ou bien c'est un appui de rive, ou hashti, le moment à l'appui 3. Le moment dans l'appui 3, comment le calculer? Donc, comme n'importe comment, on calcule à la SS à travers la chargée. Donc, P, je compte la vie AV2, donc c'est P2, ultime PA, fois L prime AV2 au cube, plus le chargement qui est à droite, on n'a seulement qu'une charge permanente plutôt, P3 fois L prime 3 au cube, sur 8,5. L prime 2 plus L prime 3. Faut faire attention ici. P2 rechargement rétro. Well, P3 rechargement rétro. Allez, je calcule le moment sur la P3. Et bien sûr, dans cette fois, dans ce calcul de cet appui, on aura deux efforts par champ. Un à gauche, VE-Ouest, et un à droite, VE-East. Comment les calculer? Donc, bon, c'est Ouest et qu'est-ce que j'ai écrit ici? C'est le moment. Plutôt l'effort tangent ouest de l'appui 2. Ici, c'est l'effort tangent east de l'appui 2. Donc, le moment, l'effort tangent ouest de l'appui 2, ça sera cette équation. Alors, c'est V0 ouest. C'est-à-dire, je dois calculer l'effort en champ isostatique, c'est P1 fois L1 sur 2. Alors, moins, ou plus, normalement c'est, oui, c'est plus le moment sur notre appui, c'est-à-dire MA2. Moins MI, ou bien moment de l'appui précédent, MAC1, divisé par cette distance qui est L1. Et le moment, ou plutôt l'effort tangent East de l'appui 2, c'est V0 East. C'est-à-dire, on calcule l'effort en champ isostatique de cette travée, plus, alors c'est le moment après, le moment là-bas de MA3, moins le moment à l'appui MTAN, moins MA2, MTAN, à la travée. L2. Et ensuite de suite, jusqu'à finir avec toute la travée, pour retrouver à la fin le diagramme des efforts tangents dans une poutre continue avec la méthode Kako. Donc cette méthode Kako, elle va me permettre de calculer pour tous les appuis 1, 2, 3 et 4. Chaque appui, généralement, on calcule deux efforts tranchants. Ça, c'est l'effort tranchant east de l'appui 1.
Ceci, donc notre appui ici, l'appui 2, et cette valeur, c'est ouest de l'appui 2. Ça, c'est l'effort tranchant east de l'appui 2. Ceci, c'est l'effort ouest de l'appui 3. C'est-à-dire east de l'appui 3. Et finalement, c'est-à-dire ouest de l'appui 4. C'est-à-dire, on va calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6 efforts tranchants pour une poutre avec 4 appuis. Pourquoi on ne calcule pas l'effort tranchant à gauche de l'appui 1 et l'effort tranchant à droite de l'appui 4? Attends, il n'existe pas. Ce sont deux appuis de rive. Donc voilà comment calculer l'effort tranchant dans une poutre. Il faut juste rappeler qu'on travaille toujours l'effort tranchant à l'état limite ultime. Donc j'arrête l'enregistrement pour cette fois-ci, cette séance. La prochaine séance, je vais faire un exercice complet de la poutre et comment utiliser quelques petites applications. Elles sont disponibles. Je vais les partager avec vous pour la vérification des calculs que vous allez faire manuellement. Donc tous ces calculs manuels, il y a des applications qui peuvent le faire très rapidement et on va vérifier ces calculs manuels avec ces logiciels. Voilà, je vous remercie. J'arrête l'enregistrement.